Bonjour, aujourd'hui une question que beaucoup d'étudiants se posent depuis longtemps. Pourquoi les cotes de thermo sortent après autant de temps? La réponse de notre bien-aimé professeur Gérard Degré. C'est très simple, je suis parti en avion dans les Caraïbes avec l'argent destiné au doctorant. Dès notre départ, le réacteur de droite a explosé, faisant plein de feu. L'ennui, c'est que les copies de thermo étaient avec moi dans l'avion. Alors, j'ai commencé à écrire une équation chimique. Une équation chimique à laquelle je ne comprenais absolument rien, pour faire croire aux gens que j'étais intelligent et que j'allais les sauver. D'ailleurs, kérosène, c'est le nom que j'avais voulu donner à ma fille, mais ma femme n'a pas voulu. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Étant donné que les copies étaient dans l'avion avec nous, et que le feu produit par le réacteur qui avait explosé risquait de les brûler, le taux de réussite ne pouvait que diminuer. Alors vous, les étudiants, vous n'arrêtez pas de venir me voir dans mon bureau pour me demander quand les codes vont sortir. Eh bien oui, je vous le dis franchement, vous me faites chier pendant que je joue au démineur tranquillement. Alors oui, je vous le répète, je vous emmerde, et puis je vous vomis dessus. Alors je vous explique une dernière fois. Ferme ta gueule. Bon, on était dans l'avion comme je vous l'avais déjà dit. Et ça commençait à me saouler de corriger toutes ces copies. Alors j'en ai jeté la moitié par le hublot et elles sont entrées dans un énorme tourbillon. Alors évidemment, la moitié des copies étant dans le tourbillon, il y avait beaucoup moins de copies à corriger. Donc la vitesse de correction augmentait. Mais comme la moitié des copies se trouve dehors, le taux de réussite diminue à nouveau. Finalement, c'est pour cela que je peux dire que nous sommes effectivement fiers d'avoir une moyenne aussi basse de 3 ou 4. Et qu'on possède le record du temps de correction le plus long, ainsi que le taux de réussite pour un cours le plus bas de la faculté. En résumé, ce cours me fait chier. Je déteste la thermodynamique, et vous ne réussirez jamais cet examen dans toute votre vie, alors arrêtez d'espérer. CQFD.